Je termine avec le petit marque-page de ma princesse Lia. Donc, en ce moment, elle adore les poupées Rainbow, la Rainbow Eye, là. Je sais pas comment ça se dit. Je suis désolée, j'ai pas l'accent anglais. Donc, je me suis dit, je vais lui faire un marque-page dans ce thème-là. Donc, avec des paillettes. J'ai utilisé vraiment les couleurs des poupées. Enfin, des petits personnages. Et puis, en plus de ça, je comprends bien. Hein, ma fille, elle adore toutes les couleurs, là. Donc voilà, je suis venue découper avec ma petite Cricut son prénom en noir. Comme ça, ça ressort plus. J'ai découpé les petits personnages, comme vous pouvez le voir, de toutes les Rainbow Eye, là. Je les ai plastifiés et ensuite, je suis venue passer une couche de glaçage sur le dessus. Comme ça, le prénom et les petits personnages ne s'enlèveront pas. Donc, vous avez vu, je trouve ça super sympa. Il est super original. Et vous avez vu, les petits personnages, en fait, ils ressortent parce que c'est vraiment pas... Les couleurs, je l'avais fait dans l'ordre, mais en sens inverse. Comme ça, au moins, voilà, il y a vraiment tout plein de couleurs. C'est vraiment le marque-page arc-en-ciel. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Donc voilà, je finis de mettre mon petit glaçage, j'attends une bonne journée et voilà, le marque-page est enfin terminé, il est juste magnifique. J'ai rajouté un petit pompon rouge, j'espère que ça vous plaît.